La prochaine fois, je vous le chanterai. Philippe Meyer, mammifère omnivore. Bonjour. Nous serons attentifs à ceux qui n'ont pas eu la chance de naître avec une cuillère en argent dans la bouche, à celles qui vivent loin des lumières de la capitale, bref, à celles et ceux qui, dans leur province, oui, je sais, il faut dire région, nous serons donc attentifs à celles et ceux qui, dans leur province, dans le fin fond de leur province, s'efforcent de tracer leur chemin dans la chanson, portant eux-mêmes leur matériel de maison des jeunes en salle polyvalente et de mastroquet bruyant en podium mal installé. Plus précisément, nous serons attentifs aux chanteurs originaires de la Loire Atlantique, ci-devant Loire Inférieure, et encore plus précisément, mesdames et messieurs, nous serons devant vos oreilles ébaubies, attentifs à un duo qui nous transporte de satisfaction. Il joue de la basse, instrument à quatre cordes, elle joue de ses deux cordes à elle, qui elles sont vocales. Leur duo chante les chansons qu'ils écrivent, mais pas seulement. Je dirais même qu'ils savent truffer leur tour de chant de quelques interprétations de chansons connues de tous, qui nous permettent de mesurer leur personnalité, leur originalité. C'était le 4 juin, le soleil tapait depuis le matin. Je m'occupais de la vigne et mon frère chargeait le foin. Et l'heure du déjeuner venue, on est retourné à la maison. Et notre mère a crié de la cuisine: essuyez vos pieds sur le paillasson. Puis elle nous dit qu'elle avait des nouvelles de Bourg-lès-Essonne. Ce matin, Marie-Jeanne Guillaume s'est jetée du pont de la Garonne. Et mon père dit à ma mère, en nous passant le plat de gratin: la Marie-Jeanne, elle n'était pas très maligne, passe-moi dans le pain. Il y a encore bien 2 hectares à labourer dans le champ de la canne. Et maman dit, tu vois, quand j'y pense, c'est quand même bête pour cette pauvre Marie-Jeanne. On dirait qu'il n'arrive jamais rien de bon à Bourg-lès-Essonne. Et voilà que Marie-Jeanne Guillaume va se jeter du pont de la Garonne. Et mon frère dit qu'il se souvenait quand lui et moi et le grand Nicolas, on avait mis une grenouille dans le dos de Marie-Jeanne un soir au cinéma. Et il me dit, tu te rappelles, tu lui parlais ce dimanche près de l'église. Donne-moi encore un peu de vin, c'est bien injuste la vie. Dire que je l'ai vu à la Syrie hier à Bourg-lès-Essonne. Et qu'aujourd'hui Marie-Jeanne s'est jetée du pont de la Garonne. Maman m'a dit, enfin mon grand, tu n'as pas beaucoup d'appétit. J'ai cuisiné tout ce matin et tu n'as rien touché, tu n'as rien pris. Dis-moi, la sœur de ce jeune curé est passée en auto. Elle m'a dit qu'elle viendrait dimanche à dîner. Oh, et à propos, elle dit qu'elle a vu un garçon qui te ressemblait à Bourg-lès-Essonne. Et lui et Marie-Jeanne jetaient quelque chose du pont de la Garonne. Toute une année est passée, on ne parle plus du tout de Marie-Jeanne. Mon frère qui s'est marié a pris un magasin
avec sa femme. La grippe est venue par chez nous et mon père en est mort en janvier. Depuis, maman n'a plus envie de faire grand-chose, elle est toujours fatiguée. Et moi, de temps en temps, je vais ramasser des fleurs du côté des Essonnes. Et je les jette dans les eaux boueuses du haut du pont de la Garonne. Et je les jette dans les eaux boueuses du haut du pont de la Garonne. Vocal Cord, Marie-Jeanne. De Vocal Cord, nous avions déjà diffusé une chanson que Ma Loire demeure, écrite sur la musique d'un célèbre choral de Bach, l'un des chorales de la cantate BWV 147, BWV pour Bach Werke Verzeichnis, en allemand catalogue des œuvres de Bach.